Quand l'enfant m'a dit ça, je ne croyais pas. Il allait même appeler le tonton, même pour dire que, ah, tonton, il n'arrive pas à dormir la nuit, qu'il veut me confier. On allait chez mes parents là-bas, l'enfant ne dort pas la nuit, la maison. Moi-même, je me suis dit, comme il fait chaud, il y a d'autres aussi qui dorment dehors, l'enfant aussi dort là-bas. Le tonton a dit, ah, l'enfant là, il ne dort pas dehors, pourquoi ton enfant? Il dit, bon, peut-être il fait chaud. En même temps, bon, comme ça a commencé à chauffer sous lui maintenant, on vient ici, ça chauffe ici, c'est ça, il a appelé le tonton dans la maison. Le tonton m'a appelé, il veut parler. On dit, tu veux dire quoi? Il dit, il veut parler. On a commencé. Il dit, la mère ne veut pas que ses enfants se marient. Bon, son fils avait forcé qu'il va se marier. Bon, elle ne veut pas. J'ai dit, moi, il est blâmé. Actuellement, son fils, il vient chez moi. Bon, si la mère me demande pardon quand elle se retrouve, il dit, non, hein, si tu t'en vas maintenant, c'est ta mort. C'est qu'un enfant là, actuellement il est là-haut là-bas, il va venir. Il nous l'a appelé en bas là-bas, il va venir. J'ai dit, tant pis, non, si on s'en va là, et son fils, il vient toujours. Lui aussi, il dit, il allait voir un prophète, on dit que c'est pas un Dieu, que c'est attaque, on nous attaque. Mais quand tu veux le voir pour qu'il vienne ici là, bon, je suis venu vous voir, il dit, ah, toujours quand on se croit, son fils, il vient à la maison là-bas où je suis. Bon, toujours, il dit, faut aller. Je lui ai pas dit, hein, c'est surprise aujourd'hui. Il est venu à moi. C'est surprise, il est fait aujourd'hui. Amen. On se voit tous les jours. Jusqu'à un moment, il est convaincu. Mais le papa Fouran, Dieu le papa Fouran, même, il dit non, il faut lui dire, il n'est pas venu. Il faut lui dire. Je te dis. Oui, est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il est là? Il vient chez toi. Il dit oui, toujours, il est avec moi. Il vient même me donner 1000 fois, 2000 pour manger à la maison. Mais. On prie ensemble dans notre maison. Là, si on dit il y a celui, on ne croit pas. Comment on ne croit même pas. Comment elle chante. C'est que si elle chante, encore elle danse, tout cela dans l'église, comment elle était là-bas. Oui. Elle danse fort. Comme il est ici. La population, elle voit dans l'église. Il y a des affaires surprises à son enfant. Il n'y a pas de tout ça. Son enfant est venu. Il a fait venir son enfant, il va faire son. Il est venu, mais Freddy là, il est venu aujourd'hui. Ton mari est là. Mon mari est là. Où est? C'est pas si il est là. Non, ton mari est fort. Aujourd'hui, le papa Florent, il est fort. Et puis, je sais qu'on ne peut rien de faire. Il est pas là, il est délivré. C'est l'enfant de mon grand frère, il l'a envoyé. Si lui-même, il voit que même là. Et puis, il est venu, là. C'est pas quelqu'un qui va le mettre dans ce série. Et puis, il est vraiment un enfant. Quand il a envoyé l'enfant là, tout est détruit chez moi. Un peu seulement, je viens m'asseoir, ou on me dit de partir. On vient m'asseoir, on me dit de partir. Par contre, les femmes, même que, on me fait ça, femme-là, même, il vient plus là-bas, il vient plus chez la femme. En tout ça, la vie, Dieu ne peut pas faire là. Il fait tout, tous les jours, on se voit. Peut-être quand on a quitté ici, là, on a dit non de sa maman, peut-être c'est ça qui a fait que. Il n'est plus venu chez moi. Mais Dieu va faire. Dieu va faire que. Non, on n'a pas de ça. Moi, je veux sa bénédiction aussi. Il n'a pas. Si on ne s'est pas marié, mais il n'a pas. C'est que si il n'a pas été délivré, on ne s'est pas marié. Tu dis, il faut lui dire, faut lui parler. Ben, papa Florent dit de venir ici. Bon, mais c'était mardi. Il lui a dit ça. Mais lui-même, il lui a dit, mais il dit, non, mes amis m'ont dit, depuis le même moment, il ne veut pas. C'est que si j'ai compris, si là, à quelle heure? Il dit, bon, demain, là, mercredi, là, on ne va pas vite. On s'en va vers les 6h. Il dit, à 5h, le gars m'a réveillé à 5h. Aujourd'hui, encore, à 5h, il m'a réveillé, mais il n'a pas dit qu'il y a quelque chose. À 5h, il m'a réveillé. Il est venu avec moi, ici. Lui-même, il était pressé, mais il s'est avancé, même. Va le chercher.
temps. He was talking about this place. Je lui ai dit, mais c'est moi-même qui l'ai encouragé de venir ici. Vous connaissez Gilles Parlant? C'est un de mes frères qu'on appelle Prosper. Voilà, il a encore oué. Il venait me chercher chaque fois pour venir chez vous là, à côté là. Il venait, voilà, pour le premier camion ici là. Voilà, on allait là-bas ensemble, il venait prendre le lait. Il dit, mais pourquoi tu prends pas le lait? Il dit, non, mais moi je veux pas. Et ça, non, non. Mais les gens, les hommes de Dieu, ils aiment trop mentir. Donc, Prosper, il prend le lait. Il dit donc, ben voilà, j'ai fini de causer mon papa. Voilà, voilà, il dit, j'ai fini de causer mon papa. Dès qu'il finit, on s'en va. Il dit, mais fais vite, parce que les hommes de Dieu, c'est des grands menteurs. Voilà. Moi, parce que moi, il a dit, Prosper, moi, je crois beaucoup en Dieu. Mm-hmm. Parce que quand tu fais la parole, quand tu écoutes la parole de Dieu, il faut être droit. Il ne faut pas mentir. Le mensonge n'est pas bon. Voilà. Mais j'ai envie d'aller à l'église. Mais je cherche une bonne église. Parce que moi, c'est un grand croyant. Voilà. Je cherche une bonne église. Mais en venant ce matin, hein, je suis venu le premier jour. En venant ce matin, il y a un esprit qui m'a dit que il est regardé dans ce monsieur-là, il a la vérité. Je ne sais pas, mais Dieu me dit que tu es un homme droit. Quand les mots me manquent. Sauve ton cœur. Parce que Dieu t'a choisi pour ça. Alléluia. C'est ton rôle. Il faut le faire pour sauver le peuple de Dieu. Amen. Voilà ce que les anges l'accompagnent. Angels lead. Maman, sois rassurée. Mamie,